Mec. Tu fais quoi? Vince t'a pas dit. Je vais chercher la cam. Vas-y, serre-toi, c'est derrière dans le sac. Faut que je bouge. T'es sérieux? Ah, grave. Allez. Vas-y, à plus, Polak. Salut les gars. Merci. Ouais. Arrête de désolé, ça. Le mec, il arrive comme as. Et tu laisses partir avec le business tranquille. Il a pris pour 6 mois, il a jamais balancé mon blaze. Ok, le gars, il est sûr. Allez, Crocop. Allez, on y va. Allez. Crocop, où va? Quand tu débarques à l'improviste. Je suis venu te dire au revoir. Tu me reverras plus pendant un moment. Pourquoi t'es pressé comme ça? C'est la police qui te cherche? Tu sais que c'est fini tout ça. Dis-moi que c'est pas lié à ton frère tout ça. J'appellerai dès qu'on aura quitté la ville. Allez Elsa, on y va! Au revoir Joseph, j'espère vous voir bientôt. Au revoir. Oscar stationné devant chez toi tout à l'heure. Alors, question à 2000 balles. Monsieur Jelensky, avez-vous vu votre fils? Ouais, je l'ai vu. Je vais te dire ce qui s'est vraiment passé. La petite conne là, qu'Oscar se tape là, depuis quelque temps. Elle a un putain de frère qui sait pas tenir sa langue. Non mais c'est Oscar qui m'a dit... Chut. Oscar, mon frère, s'est ramené dans mon dos et avec l'aide de ce grand con, il s'est barré avec mon sac de C. Je te crois pas. Je m'en bats les couilles que tu me crois ou pas. L'important, c'est ce que je crois, moi. Alors, monsieur Jelensky, où sont-ils allés? Je ne sais rien. Ça faisait 6 mois que j'avais pas vu Oscar. Et ce matin, il débarque avec une petite. On a passé un peu de temps ensemble. Et ils sont partis, sans me dire où ils allaient.
Vous savez, les Jelensky sont d'excellents menteurs. Je crois même que c'est mon père l'inventeur du mytho. Bien l'ancien. Tu vas pas me la faire à l'envers, hein? Je sais très bien qu'Oscari, il serait pas parti sans te dire où il allait. Alors, je te conseille de parler. Hmm? Sinon, on va tellement te démonter la gueule que tu t'enlèveras pas. Si, je me suis mis à lire depuis peu. Et ce qu'ils disent dans les bouquins, c'est que tout ça, c'est lié au manque d'amour maternel. Pourtant, t'en as eu de l'amour, Vincent. Pas comme ton frère. Tu le tiens pour responsable de la mort de ta mère. Mais Oscar, il est pour rien. Tu pues la souffrance. Tu jouais caïd et t'es fragile. Je crois que c'est ce que je voulais pour toi, Vincent. Regarde ce que t'es devenu. Vas-y, je me casse, moi. Vas-y, lâche-moi! Tu vas aller rejoindre ta femme. Hey Vince, j'ai une bonne nouvelle. Ça va. Je suis venu chercher le petit frère. Là, il y a quelqu'un qui t'attend dehors. Assis-toi. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ils vont le tuer. J'attends. Va-t'en. Allez, vas-y, dégage, maintenant, tais-toi. Maintenant. T'es fier de toi? T'es fier de toi, là? Moi, j'en ai rien à foutre de vos histoires de famille. Allez, réglez ça dehors, allez. Je fais ce que je veux, on bouge. Et toi? Lève-toi. Lâche-moi. Oh.